Salut les gens, c'est chez vous. On est le rush hour là, dimanche 9 juillet 21h03. Le dernier rush hour était particulièrement salé. D'une part parce que je me faisais farmer à l'infini et parce que j'étais fatigué au lendemain de soirée. Là, on est encore au lendemain de soirée, c'est le lendemain de l'IRL qu'on a fait avec Summoners War FR à Paris. C'était super bien, franchement, c'était vraiment, vraiment cool. Bon, voilà, bien sûr, ben, on a bien fait la fête. Je suis encore plus fatigué que la semaine dernière. Je risque d'être encore plus salé. Bon, en vrai, je pense quand même que je peux pas être autant salé que la dernière fois, tant que la RNG est un peu de mon côté. Et puis voilà, on va commencer. J'ai mis ça comme défense. J'ai enlevé le panda à la place de Juno. Et là, j'ai mis Juno en fait. Parce que c'est vrai que ça se chenait assez facilement la défense d'avant avec le panda. Je me dis que là, on va moins me le chaîne. Est-ce que c'est la vérité? Je sais pas. J'hésitais entre le leader skill lui là, Grégo, ou le leader skill crit. Mais on va partir sur le leader skill de résistance. Quoique, on va mettre crit. On va mettre crit les gars, parce que si on regarde comme ça plutôt, lui... Ah bah attends, lui il lui manque combien de crit à ce débile? Alors, il manque beaucoup, et lui il lui manque beaucoup aussi. Allez, on va mettre leader crit, ce sera plus judicieux. Et let's go. Bon là, si un mec me luchaine, je comprends pas. Là je comprends pas. S'il me luchaine, ça veut dire que son luchaine numéro 1 one shot mon Ariel. J'ai du mal à croire qu'un luchaine tape aussi fort. Attends, je calcule. Ah, c'est possible en fait. Si, c'est possible en fait. Il faut que je rajoute des HP. Ah non, il faut que je rajoute des HP. Ouais. Bon, fuck. Tant pis. Au pire, il y aura quelqu'un qui me luchainera parce qu'il sera fort et puis voilà. Bon, laisse assez parler. On va commencer direct. Ce rush hour, c'est un peu différent des autres parce que maintenant je vais pouvoir jouer avec Pipi qui a ses stats. Je les montre maintenant. Voilà, je l'ai maxé en précision pour bien reset un peu les pernas et les Psamat. Donc là, qu'on va avoir une défense à passe de Théomar, Psamat, Perna, on va s'amuser. Je tiens à remercier Konotaro qui m'a passé ça hier. Un mug personnalisé SWFR. Lumière fait qu'on voit rien. Il est super bien. Il est super bien. Merci à toi. Si avec ça je finis pas G3, hein, je sais pas ce qu'il faut. Je dis ça à chaque fois. Genre je cherche des raisons pour expliquer le fait que je finisse pas G3. Je vais taper que les mecs du Balalis. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Ah. Pourquoi j'y réfléchis? Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Ah bah tiens, et si j'utilisais la même force que d'habitude? Ouais, pour voir, ça peut être marché. Soit je tape Juno mais elle risque de s'intercaler. Soit je vise le kill de elle. Oh, cool. Alors Juno meurt pas comme ça au moins. Fuck. Oula, elle était squishy la Camille à droite là. C'est à dire qu'elle tape fort. Pas tant. Bon, je perds du temps là. Je pensais pas one shot la Vanessa en fait, c'est ça le problème. Ok. Oh là là, il fait chaud. Je bois du café, excellent. Ah, hier au meltdown pour les gens qui étaient, il faisait trop chaud. C'était vraiment infernal. J'ai l'impression d'avoir sué pour 30 ans. Ah non, on m'a dit qu'on t'avait. Ah, ça c'est bien. Oh oui, ça c'est bien ça. Allez. Peut-être que Théomar va sortir quelqu'un. Tant que c'est pas Alicia, ça va. Et Galéon en fait. Ouais, en fait, il faut pas qu'il tue Galéon ou Alicia. Mais on va utiliser parce qu'il y a. Il y a notre ami Théomars là qui peut se faire reset. Stun Patiana. Ok. Bah c'est cool, il a pas joué. Là ça va être drôle. Alors ok. Il va résister aussi. Ok, c'est bon, il a eu ça. Mais il n'y a pas de break def. Du coup j'ai pas le tué. Fuck. Je suis obligé de faire ça quand même. Dans tous les cas, ils vont faire le sort 1 après là.
Ah, il a reset, il a résiste le reset lui. Faudra que je fasse attention les prochains. Les prochains combats pour voir ce qui se passe. Bon, là, de toute façon, il va proc l'endure du coup. Ok. Bon, mon offense a fail parce qu'il a résiste. Il a résiste le. Reset, putain, je trouve les mots là. Ah, Psemat. Oh, ça va faire plaisir ça. Ça va faire grave plaisir. Oh oui. Oh oui. J'ai rien dit. Il aurait fait le sort 2 là. En fait, j'avais pas anticipé que le village duel outspeed Mathiana. Je m'étais dit, oh bon, c'est bon, je vais jouer en premier. Mais ouais, le village duel était bien rapide et il aurait pu totalement rect mon offense là. Cool. J'ai vu le increase cooldown sur Psamath là. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait. Oh oui. Oh, ça c'est bon ça. Oh oui, là je suis satisfait. J'apprécie ce que je fais. Oh. Sérieusement? Genre. Sérieux? Non. Non. Je vais pas attaquer ça. Cette défense est chelou. Ok, il va jouer pas mal de fois au début, mais. Je suis pas convaincu du truc. Ah, bah non, son tableau est plus lent que Mathiana. Donc, non, il va pas jouer tant que ça en fait. Oh, ça fait plaisir quand Galion il dit c'est moi le papa. Ah. Bon. Il n'y a pas trop d'impact. Hein. C'est juste que j'étais encore surpris de one shot l'Huracan en fait. J'étais surpris. Ah oui, et derrière il y a écrit vous voyez pas? Vous me voyez pas? Bon, il y a écrit en gros 8 juillet 2017, IRL Paris, trophée du meilleur invocateur, offert par Konotaro. Je pense que ce mug n'était pas destiné à la base. Honnêtement, je pense que c'est ce qui s'est passé. C'était pas pour moi. Et puis finalement, il s'est dit, bon ben, allez, je vais lui passer, à lui, il sera content. Parce que je ne suis pas le meilleur invocateur, je pense qu'on est d'accord hein, pour dire ça. Ah, du coup, j'ai repassé mon Lucian en full DPS. J'ai enlevé le wheel. Et en gros, il a gagné 1000 par carte environ. Donc, ouais, ça va peut-être un peu changer les choses. Ah, appuie sur play. Oh, mais sérieusement. Après, je suis un peu con, j'appuie sur play aussi. Bien sûr qu'il prend n'importe quoi. Oui. Oui. C'est de ma faute. Du coup, où est-ce que j'en suis là? On m'a pas tant attaqué que ça. Oh oui. Bon, il y a encore moyen qu'il mode speed. Faudrait peut-être que j'arrête de faire ça, j'avoue. Parce que si le mec il a des monstres très rapides, genre à au moins. Genre si son Psamath a au moins 210 speed, ça peut partir en couille. Ok, bon. J'ai rien dit. Du coup, là. Oh, ça va être cool. Oh oui, ça va être cool. Breakdash sur tout le monde, please? Oh oui. Et ça? Oh, excellent. Dans tous les cas, en fait, là, c'est pas trop d'importance. J'ai eu Increase Cooldown sur, bah, sur tout le monde. Oh, ça va être beau. Ça va être beau. Oh, amen. Plus de. Oh, j'espère qu'il n'y a pas stun Malicia. Ah oui. Oh, j'ai Zyros, les gars. Ah, ça, c'est plus compliqué. On va voir du coup si mon Lucian maintenant il va one-shot Lapras. C'était le but, hein, de le remettre en full DPS. Pour tuer les Pras qui ont moins de 36 000 PV. Hop, alors est-ce qu'elle a 36 000 PV? Ok. Je regrette. Merde! À moins que Bernard joue? Ah non, c'est Woolion qui joue, excellent. Je préfère soigner quand même. Crève toi, crit et crève. Ok. Hop, ça devrait aller en fait. Bon, c'est un peu risqué quand même parce que s'il proc 18 fois violent.
Bon, c'est bon. Mais un peu risqué. Le fait qu'il n'ait pas. Ah si, je suis con, j'ai tué Prah en fait. Non, c'est juste que l'offense n'était pas adaptée en fait. C'est tout. C'est tout. J'ai tué Prah avant qu'elle puisse soigner en fait. Ah mince, je viens de lancer le truc là. Et la Camille va me saouler. Parce que. Même si je tue tout. La Camille, j'ai pas de Théomars pour l'HV facilement en fait. Increase cooldown. J'ai vu résistance apparaître, j'étais pas serein. Je me suis dit non, il va résister le reset CD. Après, on est quand même en 4 contre 1. Ça devrait aller. Bon. Absorption par attaque. Ok, en vrai, le sort 1 de le monde plus de support, il sert vraiment à rien. Vraiment. Ça devrait aller quand même. Hop. Bon, je vais appuyer sur play, c'est relou là. Oh. Voilà pourquoi il faut pas appuyer sur play. Bon, ça va. Ouais, cette offense elle est bien, mais. Des fois, Théomars c'était peut-être plus judicieux pour tuer les Camille à la fin. Après, non, parce que des fois, quand ça m'attre bien la vie, je peux perdre en fait en fonction de qui il tape. Azoska, je connais, je vais pas taper. Je suis gentil, je ne tape pas les gens que je connais. Genre à qui j'ai parlé une fois déjà. Enfin, on va dire que ça dépend. Mais la plupart du temps, quand c'est un Français avec qui j'ai déjà eu une interaction avec, je dis bon allez, je vais pas l'attaquer, je suis gentil. Même si Perna avait joué et avait tué le Monculus, le fait qu'il revienne à la vie avec tous ses sorts, bah hop. Je m'en fous quoi, si elle meurt. Oh, c'est tellement cool, en vrai. En vrai, ça c'était beau. C'était hyper beau. Moi, je... Waouh. Par contre, je dois me faire taper parce que mon classement augmente pas des masses. Voyons voir. Ah non. C'est juste que le classement est dur en fait. Bon, pas encore, on va taper lui alors. Ah, je sais pas comment le taper lui. Je sais pas comment le taper. Au pire, on y va comme ça. Allez, allez. Là je tue Bérad, j'espère. Je tue aussi Bernard. Et après on va le démerder. Ok. Et après il faut sortir ce truc là. Le plus rapidement possible. Ça devrait se passer. Bien sûr j'ai plus de Lucien hein. Ça j'ai... Quoi ben non c'est bon. Ok lui ça veut dire que je peux le Lucien si je le vois. Pas dégueu. Je suis con. Non, là j'ai mal joué. Bon, au pire c'est pas très grave. Ok, ok. Combat numéro 37. Je sais pas combien j'en suis là. Oh si, c'est bon. J'ai autre speed. Je tue Jiminy, je tue Frégate. C'est dangereux si... Perna proc pas mal et soigne beaucoup Molong. Mais bon déjà Perna est mort aussi. J'aime bien le triple crit sur l'élément opposé. Ça me rappelle la RNG de ce jeu. Ok ok. Il déconne pas le Perna. Et Mao Yong non plus mon gars. Ok ok. Pour l'instant ça va. Mais bon, on va pas s'avancer trop. Bon allez. En fait, j'ai l'impression d'être un gros débile parce que je dis que ça va. Et je tente des trucs de plus en plus risqués jusqu'à que ça marche plus en fait. Pour plus pour voir où est-ce que je peux pousser le bouchon. Bon bah lui je peux. Ok.
Elle est belle, hein. Elle est belle. J'ai pas re-runé Wulyong. En gros, elle a un set wheel actuellement que j'avais mis pour faire de l'arène live. Oh, j'ai tellement envie, mais je vais me faire respawn. Non, lui, je tape pas. Je sais pas comment le taper, lui. Parce que il va revenir à la vie. Elle, elle va pas mourir, elle va soigner. Non, ça, je sais pas comment le taper. Je peux faire ça en vrai. Je veux dire ça là. Parce que même si la nana, là, comment ça s'appelle là, Sekhmet vole les sorts et buffs de Tiana, ils auront plus d'immunité en fait, les trucs. Donc c'est pas très grave. De toute façon, voilà, elle s'est fait résister. L'orage. Oh non, elle a un slow, elle va jouer après. Du coup, elle va jouer après Alicia. Parce qu'elle a un slow. Ah non, c'est bon. Par contre, j'ai pas de break def sur le truc à gauche là. Et résistance, de toute façon. Oh, ça, ça m'énerve par contre. Ça, ça m'énerve le résistance. Parce que là, il va stun tout le monde, c'est ça? J'étais tellement pas loin de la vérité, putain. Cool. Ok. Ouais, en vrai, si le Psamat résiste, hein, le reset CD, je suis dans la merde parce que j'ai plus qu'un seul attaquant, Alicia. Donc c'est tendu, quoi. Je me fais pas trop attaquer pour l'instant. Bon, après, c'est que le début du rush. Ah non, si je lui chaîne et que ça passe, ça va pas en couille. Alors ça par contre, tous les jours. Tous les jours. Il peut rien se passer de grave, à part si Orion enlève le wheel de Galéon. Ok. Je veux dire, Psamat le reset. Parce que si j'ai pas le buff attaque, en gros je tue rien. Enfin j'ai pas le break def non plus, quoi. Alors Psamat. Cool, une critical time, j'ai gagné. J'aime beaucoup, hein. Ça me simplifie la vie. Bon, dans tous les cas, ça, je l'aurais attaqué avant, avec cette offense-là. Mais il y avait une part de... où je pariais, en fait. Je me disais, ah, est-ce que ça va passer ou pas? Est-ce qu'ils sont tous anti-Lushen? On va le tester, au pire. Là, parce que ça appelle au Lushen, ça. Quand on voit la défense, on se dit, oh, forcément, je Lushen. Mais ça se trouve, il a tout mis à 40k HP. Exprès pour ne pas être Lushenable. Verdict. J'ai vu des 12 900. Ça fait plaisir. Et donc lui, je peux le Lushen. Pas déçu. En vrai, pas déçu. Je cherche la déception dans mon corps et elle n'est pas là. Ça, c'est exactement le genre de défense que j'avais présenté. J'attaque pas ça. Ça je... Non. Ah oui. Samat et Perna. Je sors pipi. Ok. Tant que je mets au moins ce reset. En fait, il faut mettre le break def et le reset sur Psamat. En vrai, j'ai quand même beaucoup de chance de me faire baiser la gueule. Increase cooldown, excellent. Parce qu'en gros, il y a une chance sur 6. Ah, j'ai pas crit aussi. J'avais oublié ce facteur de ne pas crit. En gros, il y a une chance sur 6. Une chance sur 6 de ne pas poser le break def. En gros, c'est 15% de chance, quoi. Je dis que c'est un peu une chance sur 6, quoi. Et après, il y a aussi 15% de chance. Oh. De ne pas reset. Là, du coup, là, je peux reset Fria. C'est la première fois que je tape une Fria. Il faut juste que ce reset se pose. Break def sur Fria, please. Oui. Et reset sur... Yes. Oh. Oh, c'est beau. Oh, franchement, c'est hyper beau. Oh oui, oh, oh pipi, je t'aime. C'est une phrase que je n'aurais jamais espéré dire dans ma jeunesse. Par contre, pas de break def sur le Kumar. Mais il peut pas soigner. Et ça, c'est fort. Et vu qu'il a un slow en plus sur la tête. Bah, je suis tranquille en fait, quoi. Bon, je vais enlever ça juste pour taper. Cool. Elle est morte, là, non? Elle est morte? Ouais, elle est morte.
Cool. Ah, je peux taper les frias maintenant. On va dire que je suis friand de ce genre de défense, MDR, lol. On l'attend ou pas? Non, j'ai peur de me faire solo là. Alors. C'est risqué ça encore. Non, je vais arrêter de prendre des risques, parce qu'à force, ils vont avoir les stats qui font que je ne peux pas les taper. J'ai envie de sortir que des trucs comme ça. Zoa, je sais que je le connais. Allez, vite fait, je vais pas le taper. Putain, j'ai envie de faire pipi. Merde, je me suis pourri tout seul, j'ai dit ça, putain. Ok, go. Je voulais dire, j'ai envie d'utiliser l'Homunculus Dark. Alors, est-ce que je le pose? Je vais centrer ça ici, comme ça, à la caméra, on croira que je regarde la caméra. Increase cool time, qu'est-ce que c'était beau. Non mais c'était magnifique. Crit pas. Ouf. Et là, le petit reset CD qui fait qu'elle n'a pas pu ressusciter. C'est magnifique. C'était magnifique. Du verbe magnifique, qui n'est pas un verbe d'ailleurs, mais voilà, c'était ça. On commence à me taper. C'était étonnant qu'on ne m'ait pas tapé plus tôt, en fait, hein, honnêtement. Oh le. Honnêtement, que je fasse Théo Mars là, ça aurait été un meilleur choix. Au cas où, si je pose pas le break def sur Rakan. Ah, cool, il a derp. Mais ça change pas le problème. Si je pose pas le break def sur Rakan, ou Perna aussi en fait, hein. Ok. Ok, là je suis pas bien. Parce qu'il fallait absolument mettre le breakdev sur Perna pour que mon combo se produise. Non, j'ai pas crit sur Orion. Oh non, j'ai pas crit sur Orion, la déception. Cool. Bon, ça s'est passé bien. Ça se passe quand même au final, mais. Le sort 2 a l'air de taper quand même plutôt décemment. Elle a fait 9000 là, bon Perna ça a pas de défense, mais elle a aucune stat offensive, hein, mon nom de clous. Vraiment aucune stat offensive, donc je me dis... Et ça m'étonne quand même que ma défense ne fasse pas trop farmer, parce que moi je vois ça, j'attaque en fait. Défense, vas-y hop, history. Ouais, je me fais attaquer. Hein. On va voir. Et c'est vrai qu'au moins l'autre défense, je me faisais farmer. Mais il y avait des défenses réussies. Là, il n'y en aura jamais un. Hein. Alors, Perna, est-ce que tu peux prendre un petit reset CD? Cool. C'est agréable. Pendant tous les cas, je m'en fous qu'il revienne à la vie. En général, Perna me pose pas trop de problèmes. Le slow est hyper fort. En vrai, le fait que eux ils aient un slow et moi que j'ai un buff speed, dans tous les cas, en fait, le tour d'après, ils peuvent faire que le sort 1, vu qu'ils ont les CD poussés d'un tour. Et... ah, je connais, putain. Et le... Et le temps qu'ils récupèrent un tour, en fait, ils ont un slow et moi j'ai un speed buff. Donc dans tous les cas, Alessia va pouvoir faire ses deux AOE. Là, j'ai peur du singe, en fait. J'ai peur du singe. Parce que le singe peut stun Alicia. Reset-moi au moins Ariel et Perna. Cool. Sexy. Cette offense, je la trouve vraiment... sympa. Ça m'apporte de nouvelles possibilités, donc je suis plutôt content d'avoir farmé cet Homunculus. Ah, j'avoue que j'aurais jamais de défense réussie. Hein. Genre jamais. Non, je vais me faire reset.
Oh ça j'ai du chêne hein. Oh ouais j'ai du chêne. Est-ce que c'était un bernard en bas? Oui c'était un bernard. Ouh putain eh, j'étais hyper confiant. J'ai cru que c'était un Orion et en gros que j'allais au speed. Mais si le bernard était un niveau de rune égal au mien, et eh ben vu qu'il a un meilleur leader skill il aurait joué, il aurait tué quoi. Cool. Faudra que je fasse gaffe à ce mec là. Il s'appelait. Au pire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a ce genre de défense, honnêtement. Raider 847. Sans de trop. Ma défense va pas me carry. Oh. Panda Light. Non. Est-ce que la Sierra a plus de 250 speed avec le lead? Genre, en gros, il faudrait qu'elle ait genre 225 speed. Il n'y a pas beaucoup de Sierra aussi rapide. Ok, même la Juno les a pas. Donc je me suis inquiété pour rien. Ok. Putain, j'aime pas cette défense là. Ok. Pour l'instant, j'ai fail aucune offense. On est sur un rush hour de type efficace. Est-ce que je suis en train de me pourrir là, juste en disant ça? Ouais, les monstres adverses derp et tout, ils font n'importe quoi. Parce que là, s'il avait strip, ben, j'aurais été provoqué, j'aurais pas pu enlever le wheel et tout, tout ça. Genre, j'aurais pas été bien. Le tue pas, please. C'était vraiment juste. Il décide de pas faire le... Wow. S'il tue Théo Mars... Il va tuer Théo Mars ce truc. Oh c'est bon. Putain parce que là je le voyais mal. Hein. Je me dis putain si je me fais solo par un pan d'avant en arène, je le vis très très mal. Je me fais fermer. Je vais changer de défense. Je crois pas au pronostic de cette défense. Donc au pire, on va changer de défense en fait. Non, ouais, je prends trop de défense. Si je veux vraiment faire une grosse performance, rajoute un truc qui peut dissuader. Enfin, ça me dissuade que dalle ça. Ça me dissuade vraiment que dalle. J'ai pas de lead speed. Bon, on va essayer ça pendant quelques secondes, ok? Juste pour voir. J'ai envie de tenter un truc. J'aurais pu faire une offense pendant ce temps-là, je sais pas, mais là je suis en train de paniquer, je suis sérieux là. J'ai envie de faire. Oh, j'ai pas changé d'offense, qu'est-ce que je suis un trou du cul? Je croyais que j'allais jouer avec Pipi. J'allais jouer avec mon Pipi. Non, sérieusement là. On parie qu'il va faire un triple stun, le truc à gauche là? Ou au moins Alicia? Juste pour me punir de... Putain. Ok. Ça va. Oh. Sois pas relou comme ça. Waouh. Mauvaise idée? On peut dire mauvaise idée? On va dire mauvaise idée. On va vraiment dire mauvaise idée. On va repartir sur des trucs de type ça. Hein où est-ce que t'es? Tac et... Et Fria? Est-ce qu'on prenait pas Fria? Non, on va prendre Fria. On va... Ah si on prend Fria, tiens. C'est pas là. Ah, je suis en train de... me perdre dans mon jeu là. Fria, t'es où? T'as des runes? Non, excellent. Ok. Du coup, Fria. Ok. Peut-être qu'on va me taper. Hmm.
Ah. J'aurais du mal à tomber irrité chez Camille. C'était le même, ok. Ah, c'est lui qui m'a tapé là et qui m'a retapé, donc je vais pas l'être retapé. Je suis un bon samaritain. Ah, je connais. Sur les robots, ok. Ah, mais il va stun, non, j'avoue, c'est pas bien. Il y a plus trop de défense, ce Psamat à la con là. Ah, cool. Ça va, ça. J'ai pas vu que ma coiffure ne voulait rien dire. Ouais, je ne fais pas attention à mon apparence. Excellent. Lol, il a fallu qu'il derpe. Bon, en fait, ça change rien, je sais pas pourquoi je me plains. Juste, j'ai envie de me plaindre. Ah, bon, il est 34. Oh. Fuck. Je vais rien tuer là. Oh, je vais rien tuer. Oh bordel. Oh. Pourquoi? Elle est en vampire ou quoi l'autre? Non, crit et tu l'as. Parce que là, même si elle meurt, en fait, c'est pas très grave parce qu'elle viendra à la vie avec tous ses sorts. Ok. Et c'est bon. Putain, je commence à transpirer tellement je suis pas serein. Et aussi parce qu'il fait chaud. C'est peut-être un rapport aussi. Waouh, 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 mes points. Défense jusqu'à full. Oh my god. Peut-être qu'il a. Ah oui, c'est parce qu'il a changé de défense en fait. Il a lancé une offense et entre temps, il a eu une autre défense. Il s'est dit, oh putain, l'enculé. Il a changé sa défense à ce moment-là. Let's go. C'est quoi ma défense actuelle déjà là? Ah, c'est le truc avec. Je sais pas. Je sais même plus ce que j'ai mis comme défense alors que c'était il y a 3 minutes. J'ai l'impression de galérer de ouf. Genre à ne pas finir. Il va me la stun. Ça va. En vrai, ça m'aurait saoulé qu'un perna stun ma tienne, tu vois. Qui a de la résistance quoi. Bon, après, ça ne veut rien dire. Parce que lui, est-ce qu'il a de la résistance? Est-ce qu'il va résister? Non, c'est bon. Ok, un slow. Ah, je suis con, elle pose pas de slow sur le sort. Hein. Alicia, c'est quand même assez broken. Hein. Je pense qu'on peut le dire. C'est quoi ma défense du coup? Ah oui, c'est avec Freya, excellent. Excellent Freya. Tu me carries de ouf, je vais finir G3 aujourd'hui. J'ai peur qu'un jour ma Alicia arrive pas à tuer un Laika. En gros, qu'il soit bien tanky et que je le tue pas. Ça, ce serait relou. Mais bon, hein, on va dire que non. On va dire qu'à chaque fois, je vais le tuer. Parce que si je le tue pas, il revanche, il stun. Et ça casse les combos. Et les couilles aussi. Ok, mais j'ai quand même perdu aucune offense hein, jusqu'à présent, les gars. Et on m'attaque plus. Alors, c'est magnifique. Freya, je t'aime. Juste parce que le mec, il a plus de défense pendant genre 2 secondes. Il en tire des conclusions. Ah oui. Oui. Je dis oui, monsieur, oui. Parce que Ariel, il pourra pas soigner parce qu'il aurait été reset. Il va servir à rien. Ça va être cool. Bien sûr, à chaque fois, je pars du principe qu'elle va reset tout le monde. Hein. Verdict. On va faire pause même pour faire le beau. Résistance sur Bastet, ok. Mais ça change pas grand chose au final. C'est beau, hein. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Cette offense, c'est vraiment cool. Le gars qui se lance des fleurs lui-même, tu sais. Ok. Ah, j'ai reçu une défense. Ça devait arriver. Les mecs qui ont Zyros, c'est eux qui disent ah, mais mec, je m'en bats les couilles de ta Freya. T'es trop has-been. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est ça, contre lui. Ouais, j'ai fait ça.
Je me suis dit même que ma Tiana avait outspeed sa Juno. Je m'en souviens maintenant. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais tapé sur une fois sur Camille, et après j'avais tout tué avec Alicia. Donc on va refaire la même. Tout pareil. Tout pareil. Mauvaise idée. Juno, elle va cut là. Enfin, elle va pas mourir en fait, c'est ça que je voulais dire. Bon, ça change pas grand chose. Hein. Ok. Défense failed. Oh. Pourquoi est-ce que vous attaquez mes sentiments comme ça? Le RTML m'aurait saoulé. J'ai envie de le chaîne ce mec, mais salement. Et verdict, est-ce que j'avais raison? Oui. J'aime bien dire oui et après me dire ta gueule. J'ai toujours peur de perna. Je vais faire ça juste pour buff attaque. Hop, je suis con. J'aurais eu Konamiya pour faire un resurge dans tous les cas. Ok. Let's go. Pour l'instant, c'est plutôt bien. Je me sens genre invincible vu que je ne fail aucune offense. Le problème, c'est que je remplace Théomars par l'Homunculus qui fait pas de dégâts. Donc les Camille à la fin, je galère de ouf. Et les Rina, non, les pires, c'est les Rina. J'ai rien pour tuer Rina au final. Ouais. Faut que je trouve un truc. Je sais pas si je peux vraiment la jouer en DPS. Et je crois qu'à terme, c'est comme ça que je vais la ruiner. On va voir. Est-ce que Perna, tu prends le reset, s'il te plaît? Excellent. Je crois qu'à terme, je vais la jouer en DPS, hein, cette Homunculus. Comme ça, je pourrais. Après, si elle crit, je pense pas qu'elle tape assez fort. Les stats de base sont pas ouf et les coefs sont pas ouf. Donc, Rina, ça va pas remplacer Théomars. Théomars, il roule sur Rina. Sur Camille, enfin surtout de toute façon Théomars, voilà, c'est une brute, il roule sur absolument tout. Alors, tant que je mets le reset sur Samat, j'ai gagné. Oh! J'ai rien dit, j'ai oublié le break def aussi. Triple résistance! Est-ce que c'est pour de vrai ce qui s'est passé? Triple, il a tout résisté le Samat. Ah, par contre, c'est bien ça. C'est plutôt bien. Parce que je vais pouvoir le reset maintenant. Et ouais, mon gars. Et non. Il est en vampire, ce con? Il est en vampire. Oh my god, j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu. Parce qu'il est en vampire, le truc, là. Il vient de faire... Voilà. Torrent. Il faut que je le tue, du coup... avant qu'il récupère Torrent, parce qu'après il va ignore def. Yes. Oh putain. Je sais pas serein là. Mais quel trou du cul ce Psamat. C'est genre je vais tout résister parce que c'est plus rigolo. Ah oui toi je te roule dessus toi. Oh non. Oh non. Oh non. J'ai pas de break def. De buff attack. Ah si. C'était vraiment le cas de figure que je déteste en fait quand... il enlève le Will Orion de Psamat. Ah résistance, putain fais chier. Fais chier. En gros Psamat va revenir à la ville. Et du coup, on va se reposer la question éternelle du « Est-ce qu'il va me stun Alicia ?» Bon, ça va. Donc, comment je m'en sors? 83ème, ok. On m'attaque pas tant que ça avec Freya, c'est cool. Oh bah toi, je te le chaîne.
Donc peut-être qu'il faudrait que je cherche des gens que je peux lui chaîner. Ça me fait gagner tellement de temps. Tout à l'heure, j'avais pas tué Vérad, justement. Ouais, il devait être tout pile à la limite d'HP avec mon Lucian, en fait. Je crois qu'il lui restait tout à l'heure, genre un pixel de vie que j'avais HV, je crois. Ok. 15 minutes. Et pour l'instant, je ne faillis le pas d'offense. On croirait voir un professionnel. Ouais, je suis con. J'ai envie de le Lucian, lui. Mais je crois que c'est une mauvaise idée. Fuck it. On prend un peu de risque, les gars. On pousse le bouchon encore plus loin. Est-ce que mon Lucian va one-shot la Pra? Oh, il y a du shield, j'ai perdu. Fuck. Saleté de shield. bon. Voilà, j'ai poussé le bouchon, voilà, je le savais, j'aurais pas dû faire ça, oui, voilà, ouais. Il va break Def ou Lyon, c'est ça? Oh, Lucian. Oh, fuck. Oh, en vrai, je vais faire ça pour buff attaque 3 tours. Ok. Strip à Wulyong. Putain. J'ai rien dit. Stun. Bon, pas toi. Le proc violent, est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça suffit? Wulyong, s'il te plaît, please. J'ai pas envie de perdre une offense maintenant. Ouais, c'est bon, j'ai gagné. Oh putain. Oh bordel. Pas évident, hein. Franchement là j'ai perdu beaucoup de temps sur cette offense. J'aurais pu taper quelqu'un d'autre pendant ce temps et gérer le truc. Bon, je vais quand même. Cool, voilà. J'ai quand même gagné toutes mes offenses jusqu'à présent. Alors il faut que j'arrête mes conneries, en plus il est 46. Ouais, il est l'heure d'être sérieux là. Ouais, non, je peux pas. En plus je m'en sors pas trop mal, hein. Je fais que gagner des places. Je crois qu'on m'attaque pas tant que ça, hein. Genre on m'attaque pas en fait. Si je suis sérieux, je peux bien m'en sortir. Ah oh, mais non, je peux pas les tuer les renards. Est-ce que... Oh non. Non, Vérad va pas avoir plus de 250 speed quand même. Non. Non. Vérad. Non, il a pas de 250 speed. J'avais peur que Pra strip et que Vérad freeze. Genre, s'il avait fait sa défense comme ça, ça aurait pu être vraiment pète couille. Ça aurait pu. J'ai très peur de pas l'HV en fait, avec Malicia. Donc je préfère assurer le kill en fait. Je préfère assurer le kill. Comme ça. Ouais, c'est une bonne manière d'assurer le kill, ça d'ailleurs. En plus, vous avez vu, j'avais raison de m'inquiéter parce que le Laika, j'ai fait des dégâts qui n'étaient pas tous égaux. Exactement. Ils n'étaient pas égaux, les dégâts. Ça veut dire que Malicia ne l'aurait pas achevé avec les trois coups. Parce que si j'achève un Laika, ça veut dire en fait que je, à chaque coup, je fais le max de dégâts possible en fait. Bref, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je crois que j'ai une vraie défense en fait là. Parce qu'on m'attaque pas. Et c'est un peu le but d'une défense de pas se faire attaquer. Par contre, il faut que je trouve quelqu'un à attaquer là. Fuck it. Ça avant que je l'attaquais. En espérant que Psamat me défonce pas. Donc je vais le faire. En plus, j'ai le shield là pour absorber des dégâts. C'est parfait. Il faut juste pas que. Il stun Alicia quoi. Et Théo, genre, s'il te plaît, allez, sois cool, Psamat, pour une fois. Sois pas un putain de trou du cul. Ah. Ne stun pas, Alicia, please. Please be nice.
Mais quel... Oh, mais... Proc violent. Oh, bordel de merde, j'ai perdu. Mais quel trou du cul, ce psamat! Oh, bordel de merde. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Oh! Mais j'ai perdu. Oh, mais quel enculé! Ah, Doudou, il est là. En vrai, c'est ça, je le tape. Hein. Cherche des trucs que t'es sûr de gagner, vraiment et rapidement. Bah voilà. En fait, le panda il va mettre son revanche et son. Comment ça s'appelle là? Son soin. Mais l'homunculus va l'enlever. Avec le sort 2. Et je mettrai un break def après par la suite. Donc c'est peu probable qu'il me fasse un V4. Oh mais sérieusement? Ok, toute la mauvaise RNG elle vient maintenant. Il reset même le. Enfin. Ah! Ok. Fuck, genre ok, c'est bon, j'ai compris. Oh là 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 là. Bon, j'arrête, allez, j'arrête, ça sert à rien. Et on m'attaque pas du tout avec cette défense, en fait, c'est une vraie défense que j'ai. C'est une vraie défense que j'ai. On m'attaque pas, donc je pense que ce sera ma défense la prochaine fois aussi. Attends, je dois prendre 30 secondes, faut que je trouve quelqu'un à taper. J'ai pas le droit de taper, s'il me tape deux fois après je suis foutu. Je sais pas qui taper comment de manière sûre en fait. Ah mon offense en fait avec pipi c'est de la merde. Ouais c'est de la merde parce que je peux pas. Y'a des pandas light partout, sérieux ou quoi? Je peux pas tuer les Camille et les Rina. Ah, je suis dans la merde en fait, mes offenses là, elles sont plus au point. Y a... Ah si c'est bon ça, je peux taper. Ah mes offenses sont pas au point, tant qu'en fait, bien sûr. Ah est-ce que le Rakan va pas jouer avant Mathiana? Je pars du principe que Shiu va passer Mathiana. Ok, de toute façon ils ont derp, ok. En plus j'ai vu écrit résistance, donc ça voulait dire qu'il est en train de proc un Dester en fait. Break def s'il te plaît. Ok. S'il n'y avait pas eu de break def de Théomars à ce moment-là, j'aurais perdu. Ça m'aurait saoulé. Reste calme. Ok, c'est bon. Elle devrait mourir là. Ok. Je vise le G2 là. Donc, si seulement je pouvais me maintenir vers ces nombres de points là, ce serait cool. Il y a des pandas light à toutes les défenses, sérieusement. Non mais genre, what the fuck. Je vais faire ça, je vais Lucian, je vais HV le. Je l'achève avec Wulyong, le Rakan, et après ça se passe. Bastet au pire. Bastet, allez, Bastet. C'est où Bastet? Bastet. Je fais ça comme ça. Wulyong tape sur Rakan. Lucian l'achève. Et je préfère faire Bastet là dans ce cas-là parce que comme ça Wulyong a le buff attaque quand elle tape sur Rakan en fait. Et voilà, ça n'a pas de prix. Un buff attaque. Please, please, please. Heureusement qu'ils ont une tendance à derp là les monstres là parce que j'étais vraiment pas bien. En plus j'y ai pensé hein. Je me suis dit ah et si il cut? Et je me suis dit non il va pas cut. Pourquoi est-ce qu'il cutterait? Est-ce que ce jeu est bien codé pour le speedtuning? En cas, ça l'est. Donc, on fait ça. Mon Lucian devrait l'HV là avec une auto-attaque.
s'il fait auto-attaque. Et voilà. En vrai, j'ai de la chance. Là, j'aurais dû perdre ce combat. J'aurais dû le perdre. Bon, hein, ça récompense celui de tout à l'heure. Du coup, il faut que je trouve un truc pour contrer les défenses avec Psamat et... Il y a des pandalites partout, je vous jure. Irina. Est-ce qu'il a vraiment tout bien fait, lui? J'ai envie de tenter le Lucian. Normalement, il m'a speed, ce mec. Oh, c'est un Ares, je pense qu'il a, il a mis les runes. Bon, du coup, là, j'ai rien à taper. Dans mon historique, peut-être? Ouais, dans mon historique, je pense que je trouve. Ouais, ça, voilà. S'il ne m'attaque pas, ouais, ça devrait aller. Ma défense a l'air bien cancer, hein, parce que personne m'attaque. Je pense que je me suis trouvé une putain de def, en fait. Tant que je fail pas d'offense, en gros, tant que je mets les break def et le reset sur Parnala, verdict, c'est bon. Bah, je suis G2 au moins. Au moins, je suis G2. Voyons voir toi. Bon, allez, c'est bon, je le tape. Je le tape à l'ancienne. Théomar se tape un coup sur Xingze. Alicia l'achève. Et après, ça déroule. À moins que je mette pas de break dev sur Xingze. Non, c'est bon. Ça déroule. Après, je tue donc Perna parce qu'il va soigner Z. Ça va, il va la soigner, ouais, je savais. Ok. Et maintenant, on va tomber la Rina en 30 secondes, j'espère. Est-ce qu'il va pour passer un break def? Bon, j'y ai cru. J'ai cru que mon Théomars, avec son peu de précision, allait mettre un break def sur Rina. Pardonnez ma naïveté. J'ai dit 30 secondes? Non, ça va. Oh, elle est tanky. Elle est tanky en fait. Théo proc violent s'il plaît. Ok, pas besoin. J'ai mis un peu plus de 30 secondes quand même, je pense à tuer à ton Mérina. Ah, une défense failed. Ah ouais, c'est toi. Bon. Ah non, j'ai eu deux défenses là dans le dernier. Je ne vais pas. J'ai envie de faire ce que je viens de faire sur cette défense, mais je sais pas, je connais STX, il a des grosses stats en général. Du coup, j'ai un peu peur de... J'ai envie de taper un truc, mais... En même temps, j'ai pas envie de prendre de risques, en fait, c'est ça le truc. Ah, mais c'est du sale, ça. C'est du sale, ça, c'est pour pipi. Psamat Karna, c'est cadeau, j'aurais dû vérifier ça plus tôt. À moins bien sûr que genre Orion enlève le wheel de Galéon. D'Alicia, c'est pire, putain. Oh, n'importe quoi. Comment est-ce qu'il a su? Enfin, en gros, il pouvait le faire aussi sur... Je voulais dire, il pouvait le faire aussi sur... Galéon, désolé, hein, je perds les mots parce que je suis en train de me dire. Depuis quand est-ce que ça marche Ganymède en défense? Non, mais sérieusement? Ok, je tue lui au moins. Le facteur de relou. Non, mais il y en a un autre facteur de relou en fait ici là. Ok. Ah, il a reset les CD de l'autre débile. Il est pas con. Est-ce que je peux crit? Non. Bon, tant pis, je préfère la GV comme ça. Au pire, je tue le tour d'après. Non, mais on a un trou du cul puissance 27 à droite là. Genre, ça marche réellement en fait ce qu'il fait là.
Résistance, increase cool time, ok. En vrai, il me faut un proc violent là. Pour HV perma. Fuck you. Fuck you. Oh, et en plus, il est en contre. Ah! C'est pas... Ça, c'est pas mal par contre. C'est pas mal du tout parce que du coup, elle va faire son putain de sort 3. Sauf qu'elle se fait stun. Oh là 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 là. Je sais pas quoi faire là. Est-ce que je finis ce combat ou pas? En gros, est-ce que je tempo plutôt? En vrai, je pense que je vais temporiser. Hein. J'ai pas envie de me faire une défaite. Sur la fin, ça sert à rien. Je vais laisser et je vais espérer pour que. Personne ne m'ait fait sortir du GD en attendant. Mais quel bon. Mais quel gros trou du. Mais bien sûr que je suis sorti du GD, bien sûr que je suis sorti du GD. J'étais tout juste G2. Je prenais des défenses sur la fin là. Le Ganymède, il m'a saoulé. Il m'a vraiment saoulé. Si, déjà qu'il me saoulait en arène live. Si en plus il commence à me péter les couilles en défense d'arène. En plus sa défense, je la trouvais vraiment pour rien. Mais juste, il a. Il a eu le Orion qui a strip Alicia. Suivi du reset de Ganymède. Genre le facteur chance était énorme quoi. Genre Orion aurait pu strip le shield d'Alicia ou même strip le wheel de n'importe quelle personne et ça aurait rien changé quoi. Je me suis fait fuck. Voilà, j'ai e-sported comme ils disent. J'ai demandé rank check. On va voir, on va comparer ce qu'ils me disent dans une heure bien sûr. Allez, me dites pas G1. Me... Ok. Bon, bilan de ce rush hour. Il y avait pas des panda light partout. Sérieusement. Mais le perma, il ferme pas sa gueule des fois. Genre, réellement, il s'est jamais arrêté. Il est 23h. On va voir combien j'ai fini. Je pense G2, hein, vu que quant à l'heure j'ai demandé, j'étais G2. J'espère que ça a pas changé. Juste, de toute façon, j'ai pas battu mes records, je pense que je le battrai jamais. Mais j'espère juste que je peux finir G1. Genre, sinon je serais déçu. Genre, je m'attends à avoir un G2 là. Bilan de ce rush hour, c'était très bien parti pour tout gagner. Puis un Psamat m'a retourné, étonnamment. À chaque fois que. Qu'on perd, de toute façon, c'est qu'il y a Psamat quasiment. Non, pas à chaque fois, mais alors, voyons voir. Ok, j'ai fait G2. Quelle place pour voir. Est-ce que j'ai fini tout juste j'ai fait 91ème. Ok. J'étais en effet pas très bien. J'étais pas très large, quoi. La défense de la fin, quand même, me semblait pas dégueulasse parce que j'ai pris quoi, genre 5 défenses dans les 10 dernières minutes. Même pas, je crois. C'était quand même pas dégueulasse. Je pense que je vais faire cette défense plus couramment. Pourtant, je trouve qu'elle est pas ouf. Je trouve qu'elle est pas ouf. Mais bon. Elle m'a carry hein, parce que je me suis pas fait farmer. Putain. Et le Ganymède de la fin m'a vraiment saoulé. Bon, ben voilà les gens. Hein, j'ai fini mon rush hour. Hein. À bientôt. Tout ça. Allez. Bye.